derrière, on retrouve Thierry Paillard et Julien Lemariel. Quelle course, mesdames et messieurs, quelle course, quel finish avec cette belle deuxième place de Thierry Paillard qui est revenu bien s'arracher pour mourir sur la ligne. Voilà donc le podium, David Réau, Freddy Paillard et Julien Lemariel dans l'ordre de ce podium. Donc, et juste derrière, eh bien, c'est Julien Moreau qui va venir aller chercher une belle quatrième place, semble-t-il. Eh oui, ils ont pris une bonne avance hein, sur Julien Moreau, vous allez pouvoir applaudir, mesdames et messieurs, comme tu l'annonçais, Olivier, le quatrième de ce cross. Il est arrivé effectivement, Julien Moreau, l'homme de la BV qui va aller chercher une belle quatrième place, voilà. On maîtrise parfaitement bien le virage sur la gauche. Et les 50 derniers mètres maintenant en léger faux plat. Julien Moreau, mesdames et messieurs, qui va chercher une belle quatrième place. Olivier, maintenant, il va avoir aussi le cinquième qui va arriver. Mais attention après aussi à l'équipe de Carquefou qui va peut-être venir chercher le titre emmené par Anthony Alberti. Voilà, donc en tout cas, là, le cinquième, c'est l'athlète de Saint-Martin d'Anjou. Mais Kevin Martin, Anthony Alberti qui vont essayer de se battre pour aller chercher ce titre du département et de la Saint-Martin d'Anjou. C'est Aurélien Doublet. Aurélien Doublet de Saint-Barthélemy d'Anjou, Kevin Martin, Anthony Averti, Jérôme Bernard. Oh le trio de Carquefou. Ensuite on retrouve un autre de Carquefou, Olivier Frémy aussi. Oh Olivier Frémy qui revient. Allez, 4 athlètes de Carquefou qui vont venir champion départemental donc pour ce cross chez les Masters. Olivier Frémy de la Mutuelle Laye Bouguenay qui vient prendre un top 10 dans cette course. Alors l'idée dans quelques instants, donc on va pouvoir, quand tu seras prêt, on pourra faire la cérémonie protocolaire pour ces championnats. Bien sûr, on va attendre que les athlètes finissent au fur et à mesure. On va pouvoir déjà, annoncer hein, donc, les trois premiers, comme tu l'avais annoncé, donc David Guidéo, Freddy Paillard et Julien Lemariel. Et je pense qu'on peut aussi l'annoncer pour le titre par équipe. Il me semble que ça serait bien sûr Carquefou Athletic Club, bien sûr toujours sous réserve du jury. Oui, effectivement, on va attendre d'avoir toutes les informations officielles. Allez, donc les Masters qui ont fini au fur et à mesure avec leur cross. Et dans moins de 15 minutes, hein, Olivier, on aura donc la prochaine course. Hein, on l'avait annoncé tout à l'heure avec les Benjamin qui effectueront donc le moins de boucle de 1955 mètres exactement. Effectivement, alors on va attendre que les garçons nous rejoignent.
Allez, on va passer donc au podium cette série les protocolaires, les garçons, donc le classement scratch d'abord, et puis après on aura bien sûr le départemental. Dans quelques instants, donc la cérémonie protocolaire, on vous invite justement, mesdames et messieurs, à venir hein, auprès du podium pour applaudir nos champions. Voilà, Olivier, tu vas les présenter dans quelques instants lorsque la cérémonie protocolaire sera. Allez, les garçons, effectivement, venez nous rejoindre. Voilà, prenez place derrière votre marche respective. Et on va commencer par celui qui termine troisième. Le NEC à l'honneur ce matin avec Julien Lemeriel, troisième de ce classement scratch. Grosse presse océan avec Fabrice Roussel, monsieur le maire qui remet donc la médaille à Julien Lemeriel. Sur la deuxième marche du podium de cette édition 2023, Frédéric Payard, mesdames et messieurs, à Titric Crête, Sudlac, deuxième. Avec Fabrice, voilà, qui remet la médaille. Et sur la plus haute marche du podium, il va repartir avec une belle coupe, l'Athletic Club au Pays d'Ancenis, avec David Gréot, mesdames et messieurs. David Gréot, le vainqueur. Bravo les garçons. Alors vous resterez avec nous puisqu'on va dans la foulée bien procéder à la remise des récompenses du championnat départemental. Les récompenses, voilà. Les lots effectivement avec nos hôtesses qui remettent les cadeaux. Et monsieur Herman Boulet qui va également récompenser donc à l'occasion de ce championnat départemental les garçons. Allez, on va vous laisser juste redescendre de votre marche si vous voulez bien les garçons. Et puis on va procéder maintenant donc au podium. On va attaquer ce podium des championnats départementaux master. C'est M. Erwan Boulet, conseiller départemental, qui va remettre les récompenses à celui qui vient chercher une belle médaille de bronze. Une encre étudiant club, Julien Lemeriel, troisième médaille de bronze. Avec Erwan Boulet, voilà, qui récompense. Médaille d'argent de ce championnat départemental, Frédéric Payard, deuxième à Club Rennes Sudlac. Voilà Rouen Bouvet qui félicite les Véroéas. Et celui qui devient champion départemental de cross-country, catégorie master, l'Athletic Club du Pays d'Ancenis, David Gréot, vainqueur. Champion départemental. Restez avec nous sur la photo si vous voulez. Voilà, on a écarté les podiums justement pour pas qu'on ait de soucis. Avec la tête, faut pas être plus grand David, hein. Voilà. C'était limite. Voilà, bravo, applaudissements s'il vous plaît pour ce podium des championnats départementaux catégorie master. Voilà, on va pouvoir attendre, il nous reste peu moins de 10 minutes. Julien, on t'a vu faire un retour monumental. T'étais pas très loin des deux premiers au dernier tour et ensuite ils ont accéléré vers la fin. Ouais, j'avais dans ma tête de partir assez prudemment pour faire l'état des lieux au bout du deuxième tour et puis ça allait pas mal finalement. J'ai relancé, pas si loin de rentrer. Ils sont tous sortis du passer du terrain c'est dans le dernier tour. Ah, c'est ce que j'ai dit à Freddy qui a un mental et qui savait gérer sa et après il finit très très fort comme en général. Ouais, il finit bien en général et moi pas très bien en général. Je savais que ça aurait été un peu de ça se fait. Voilà, bravo à toi, allez, on va enchaîner avec toi et Freddy, il nous reste encore 8 minutes. Freddy Bayard, on connaît bien sur les passes, on savait que j'avais vu dans le groupe favori. C'est vrai que je suis désolé, j'avais complètement zappé David, mais on connaît David, il est aussi très costaud David. Oui, moi je savais que David il aurait été là, hein. Il a couru au moins de 15 minutes récemment il y a quelques mois. Et moi clairement il manque du rythme en compétition. Quoi. La championnat c'était très roulant, c'était une carte de conseil, là moi musculairement je n'étais pas prêt. Ça fait un peu tôt, j'ai pas pensé de partir. David était plus fort et j'ai douté un peu au deuxième, je voyais que je faisais mal et il était à la limite. Et moi j'ai pas osé, je manque un peu de confiance pour partir. Et... troisième, je prends un petit coup sur la casquette. Et bon, avec les encouragements, je me suis battu pour garder la deuxième place. Et en voulant distancer Julien, en fait, j'en revenais sur David, je réagis un peu tard. Mais bon, il n'y a pas de regret, c'est comme ça. Ouais, j'ai annoncé à la fin que tu avais rien été fini avec toi, parce que tu as tellement un beau mental et un beau finish que voilà, c'est
est-ce que tu aurais pu revenir si tu étais parti vraiment plus tôt comme tu l'avançais? Ouais, je pense. Après, la ligne aurait peut-être aussi accéléré. Mais non, c'est bah, le mental aujourd'hui, je pense, c'est ce qui m'a manqué justement. J'ai oublié de plaisir un petit peu, j'étais un peu crispé. Mais bon, il n'y a pas de regret, c'est David est un bon vainqueur. Bravo, bravo à toi, Freddy. David, tiens bien à m'excuser, ce qui sera dans la liste, j'étais complètement donné, il a encore battu David Bowie chez lui, bah, forcément il est dans le favori, David. Voilà, Freddy, t'as fait un peu mal aujourd'hui, et du coup t'as voulu essayer de faire vraiment le duel, c'est toi qui as gagné le duel entre Freddy et toi. Pour moi c'était favori, et du coup j'ai essayé de rester derrière le plus longtemps possible. En troisième, j'ai pu laisser une chance d'écart avant la fin du duel. Ça l'a fait aujourd'hui, je suis content, je pas trop menti, ça a fait 2 ans. C'est ça, et puis Julien, il vous a fait mal aussi, il revenait au fur et à mesure qu'il est parti vraiment doucement, et je pense qu'il aurait pu avoir quelques tours en plus, peut-être qu'il serait il va passer à vous en prochain. Ouais, bah en fait, on en a tassé un petit peu tous les deux, puis Julien revenait au fur et à mesure, donc ça devait accélérer un peu avant la fin pour pas se faire remonter. Voilà, dernier mot, au niveau du parcours, un peu trop rare, ça a été. C'est pas trop rare, c'est gras, mais ça va, hein, ça roule. Après, faut aimer le France. Ouais, c'est un bel parcours de France. Bravo aux trois champions, David, Freddy et Julien. Et on a un quatrième Julien qui a pris le podium, qui n'est pas sur le podium, mais qui a été également, qui n'a pas démérité Julien Moreau, effectivement. Ils se sont livrés une belle bagarre, les garçons. Merci en tout cas, bravo les amis. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, voilà, de bout en bout, d'être tiré la bourre. Et ça, c'est bien sympa en tout cas. Merci. Bah justement, regarde, tu me parlais au milieu de Julien. Julien Moreau, il est là, tu voudrais bien un petit mot à Julien, vite fait. Julien, si t'as pas bien, viens voir. Julien, tu étais venu ici pour voir un rapport au Nigeria. Toi, t'as l'habitude de venir à la chapelle. Ils étaient vraiment très forts aujourd'hui, les trois premiers. Ah oui, j'ai espéré accrocher un peu Julien dans la première partie de course en disant que je n'ai pas pris tout seul. Et non, aucun regret. Quand on voit le déroulé de la course, il a des costauds parce qu'il a réussi à revenir sur le tête de course. Il n'y a pas tout le bien devant Freddy et David parce que je n'ai pas de cadeau. Donc il a chaque fois qu'il a réussi à revenir devant. Je pense que même pour le public, c'était un beau spectacle qu'il y a eu du système jusqu'au bout. Avant, j'ai regardé en spectateur de loin derrière. Voilà, après je suis toujours content de venir ici à la chapelle, c'est un super parcours de cross, une super organisation. Tout est réuni, le terrain est usé, il est gras, mais ça court toujours ici, il y a toujours des appuis. Et ouais, ça reste une très très, très belle manifestation. Merci à toi Julien, merci Julien Moreau, donc quatrième de cette course, comme tu l'avais annoncé les gars. Je voulais vous donner que Julien me fasse un petit mot. C'est gentil en tout cas, merci à Julien, ouais, effectivement. Et on se retrouve, voilà, avec monsieur Erwan Bouvet sur le podium, conseiller départemental, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, qui nous fait plaisir tous les ans d'être avec nous. Et on sait que vous avez un œil aguerri en tant que voilà, supporter et spectateur également. Et puis conseil départemental qui est toujours à l'honneur. C'est important de pouvoir montrer que le conseil départemental supporte le sport ici en Loire-Atlantique. Tout à fait, c'est pour nous, pour la collectivité départementale, c'est vraiment un honneur de supporter des clubs, alors, bien évidemment sur le canton de la Chapelle-sur-Erre et à la Chapelle-sur-Erre. Il faut surtout remercier les bénévoles sans qui on peut bien nous sauver ici. On remercie aussi la commune qui soutient le site. Alors effectivement, vous êtes la vidéo, pour l'instant, les finalement, un cross des sportifs, le disent, et on sait que vous aimez le cross, vous allez être avec nous, pas uniquement pour remettre les trophées, mais aussi pour supporter. Et on a eu une grosse bagarre sur les masseurs notamment. Hein. Au final, il y a eu trois sportifs qui en plus ont on sent du respect, on sent une connivence entre eux, et ça c'est chouette aussi. C'est aussi ça les valeurs du sport. C'est un fin connaisseur en tout cas. Merci à vous, monsieur Bouvet. Voilà, grand plaisir en tout cas de vous avoir avec nous, monsieur le conseiller départemental donc, de l'Atlantique, à l'occasion donc, de cette 32e édition, vous l'avez dit, hein, sans les bénévoles, rien ne serait possible. 32 ans, imaginez un peu, et c'est rare aujourd'hui d'avoir des cross aussi anciens, entre guillemets, à l'occasion donc, de cette édition 2023. Freddy, je te laisse la parole dans quelques minutes. On va retrouver les Benjamins dans... Allez, 3 minutes, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Dans 3 minutes, on va partir donc, avec les Benjamins, comme tu l'annonces. Ils vont effectuer une moyenne boucle. Et une moyenne boucle, ça correspond donc à 1255 mètres. Et on a... Alors, dans les Benjamins, même si quand on dit à chaque fois, tant qu'un guerrier n'est pas passé, on
c'est quand même pour les favoris. Les Bastiaires nous ont trouvé avec David Deveau qui a eu qui a battre à Poulpe-Prévert, le grand favori. Et bien là, on peut avoir Jeanne Chupin de Carcoufassé, première du Fox à Chanterie. C'est Pierre-Louis. Il y a aussi Émile Quelque-Gourel, première du Croise de l'Ardurière de Lyon-Canton-Saint-Mé. On aura notamment aussi, attention, Juliette Gabou, deuxième du Croise de l'Ardurière de Lyon Oaro, qui est là, c'est 43ème du Croise de la Chanterie. Voilà, quatre demoiselles à peu près dans la favori, mais c'est ouvert, et rien de jeu dans cette catégorie. On t'a bien préparé les start-list, t'as vu? Tout préparé, hein, cette fois, ça rigole pas. Attention, les auras au fur et à mesure. Merci en tout cas, Freddy. Merci à toi de nous faire vivre au cœur de la course, bien sûr. Différents départs, différentes épreuves avec ce départ donc imminent pour les Benjamins. Suivront ensuite les Benjamins. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'aller vous restaurer hein, si vous le souhaitez, vous désaltérer si vous avez un petit peu chaud, si vous avez envie de vous réchauffer, vous avez du vin chaud, du café. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un petit tour du côté de la restauration, de la buvette. C'est avec plaisir qu'on vous accueille tout au long de cette belle journée. En attendant, donc, le départ des Benjamines. Un tout petit peu moins de 2 km, 1955 mètres au programme. Une moyenne boucle des Benjamines. Donc, dans moins d'une minute maintenant, le départ. Et on continue aussi à en finir avec les Masters. Hein, donc, certains Masters n'ont pas fini leur cross. Et on va lancer le départ des Benjamines en même temps qu'il annonce dans 30 secondes maintenant. 30 secondes environ. En attendant, on peut déjà féliciter les bénévoles qui ont fait un énorme travail pour vous accueillir ici aujourd'hui, voir toutes les barrières qui ont été montées avec les bénévoles. Ils sont encore là pour recevoir comme annoncé le bout de la restauration. Donc vous pouvez déjà applaudir bien sûr. Allez, il y aura 54 Benjamins sur le départ. Ils sont prêts à redécouvrir avec ce cross. Attention, place aux athlètes. Pour information, voilà, il y a un espace pour nettoyer les chaussures si vous voulez. Juste derrière le podium de sonorisation, vous avez des rails avec de l'eau. N'hésitez pas donc à venir. Monsieur le maire, il faudra qu'on enlève les herbes derrière parce qu'avant, au podium, on voyait l'arrivée, on voyait derrière là-bas et on voit plus cette année. Voilà. Alors pour la 33e édition, je compte sur vous. Hein, avec un explicateur le samedi, pourquoi pas. Allez, mon cher Olivier, c'est parti. C'est parti avec ce départ pour les Benjamins et on aperçoit les couleurs donc, de Carquefou à ceux qui positionnent directement aux avant-postes. Et on a même une autre demoiselle avant qui sont de Sar 900. 900. Allez, les Benjamins sont partis pour une moyenne boucle. Allez, c'est parti, effectivement, attention. On a quelques conditions climatiques qui vont être compliquées là, j'ai l'impression. La pluie, les quelques gouttes qui arrivent notamment. En tout cas, voilà, les Benjamins, allez, il faut qu'on se dépêche pour pouvoir passer sous la pluie. Hein. Allez, moins de 2 km, 1955 mètres, une moyenne boucle. Et vous le voyez, ça commence à être gras. On le voit notamment sur ces petits gabarits. Ouais, quand tu l'as annoncé, hein, donc le temps qui s'évade un petit peu, c'est, on va dire, voilà, c'est les Masters, ils ont tellement été vite qu'ils nous ont ramené les nuages. Allez, dans quelques instants, on va savoir qui est en tête donc, de ces Benjamins. 54 Benjamins qui ont pris le départ. Elles effectuent donc une moyenne boucle, 1955 mètres. Et à la fin donc, de ce cross, eh ben, il y aura donc l'athlète qui gagnera ce cross de l'herbe. On répète, hein, Benjamin, ce n'est pas le championnat départemental pour les Benjamins, qui n'est pas support de championnat départemental. Ah,
Voilà, donc les Benjamin, comme on répète, c'est pas un support départemental, du championnat départemental, ni les Benjamin, et on aura aussi, on annoncera, mais il y aura le cross-court qui ne figure pas dans le championnat départemental, sauf pour les juniors. Allez, voilà Olivier, la pluie qui tombe. Conditions de cross-country comme Fabrice Roussel les aime. Tiens, lui il pensait ce matin qu'il y aurait de la pluie sur la course des populaires. Non, la pluie elle arrive un peu plus tard. Voilà, en tout cas, bien, on va s'y faire, hein, rassurez-vous. Je suis certain que tous et toutes vous avez pris vos repères pour être à le plus abrité possible. Allez, c'est parti, voilà, en tout cas avec les Benjamin qui sont sur le parcours. Et puis qu'on aura tout à l'heure sur le podium les trois lauréats, bien sûr. Ouais, t'as à peu près 9 athlètes, hein, 9 athlètes qui sont partis, donc déjà un trou sur les autres. Et dans quelques secondes, je vais pouvoir t'annoncer qui est en tête de cette course pour ces Benjamin. Il faut être polyvalent. La personne. Sur le podium, mais voilà, on commence à avoir quelques gouttes d'eau. On s'organise comme on peut, effectivement. Excuse-moi, Freddy. Alors, la personne de couleur de Carquefou avec Jeanne Chupin. Jeanne Chupin, la grande favorite, qui est donc en première. Ensuite, on a versé les deux demoiselles du SC Norvo, 991 et 992. Le 191, c'est donc Eva Lopez du Sco d'Angers et Anna Mena du Sco d'Angers Athletic Club. Voilà les trois premières pour ces Benjamin. Allez, mon cher Olivier, ça va être donc la ligne d'arrivée hein, dans quelques instants, quelques minutes. Une moyenne boucle, donc elles vont passer à la côte et ensuite elles vont tourner directement à droite pour venir prendre cette ligne d'arrivée. Allez, est-ce que ça va être toujours ce 3 demoiselles? Est-ce que Jeanne Chupin, la grande favorite, va venir remporter donc cette course, ce cross de l'Erdre 2023 pour cette 32e édition? Allez, voilà, on attaque Olivier, on attaque la côte. Jeanne Chupin qui devrait pas tarder à tourner, mais rien n'est joué pour cette première place. Jeanne Chupin de Carquefou AC. Ensuite, les deux demoiselles du Sco d'Angers à la chasse. Oh, rien n'est joué entre Jeanne Chupin, Eva Lopez et Anna Ménard. Qui va venir remporter le cross de l'Erdre? Trois demoiselles vraiment en coude à coude. Ah, ça va se jouer à pas grand chose, attention, ça va aller vite. Hein. On va vite arriver sur la ligne, pour franchir cette ligne d'arrivée. Allô, après Freddy, la tête de course, les trois demoiselles. Ouais, trois demoiselles, la Carquefoyenne et Jeanne Chupin, les deux Angevines, Eva Lopez et sa coéquipière de club, que je vais te redire le nom dans quelques instants. Eva Ménard, Anna Ménard, il me semble. Oui, c'est ça. Anna Ménard, c'est bien ça.
Voilà, Alain Ménard et Eva Lopez. Et c'est Jeanne Chupin qui est en tête. Ouais, qui est deuxième, on va voir. Oh, on revient à la troisième avec l'ASL 44. Oh, Jeanne Chupin, donc ce 219. Ensuite, on a le 291, Eva Lopez. Et ensuite, c'est le 902. 902 avec... c'est Juliette Gavou en troisième position. Juliette Gavou de l'ESCO, hein. L'ESCO 44, voilà. La ligne d'arrivée, allez, jusqu'au bout, mesdemoiselles. Il faut aller franchir la ligne maintenant. Attention, elles sont trois, mais dans quelle heure pour ce podium? Jeanne Chupin pour l'instant. Jeanne Chupin peut-être. Ça va jouer à pas grand-chose. Attention, le tour d'Eva Lopez. Eva Lopez peut-être. Attention, sur la ligne. Ah, ça va être compliqué. Et non, ça va être très compliqué. Et Eva Lopez qui va chercher une belle deuxième position. Et derrière, on retrouve en troisième position. C'est Juliette Gavou, il me semble, effectivement. Du ESCO 44, c'est bien ça. Exactement ça, de la CL 44. Mais quel retour, hein, d'Eva Lopez. Quelle course, quel finish surtout. Quel finish, effectivement. Ça se voit pas grand-chose, hein. Alors j'ai l'impression que Jeanne Chupin a géré cette dernière ligne droite, mais en tout cas derrière, ça revenait très vite. Il fallait pas trop attendre. Et pour l'instant, on assiste à de belles courses, hein, au début. Bien. On espère que ça va continuer tout au long de la journée, que ces athlètes nous offrent un super spectacle comme ils le font actuellement. En tout cas, on continue à encourager, hein, les Benjamins qui finissent. Au fur et à mesure, on compte sur vous, hein, le public, pour encourager les coachs. Ils ont besoin, il n'y a pas que les premières, hein, il y a aussi tous ces athlètes, ils ont tout le mérite de courir et de terminer ce cross. Ce sont toutes des championnes. Allez, après on aura les Benjamins, juste après, les Benjamins avec une distance un petit peu plus longue encore. Allez, Benjamin, voilà, qui vont venir nous rejoindre. Venez, mesdemoiselles, venez, on va s'occuper de vous. Voilà, on va vous réchauffer, c'est important. Allez, les trois premières, venez nous rejoindre. Voilà, les trois premières de la catégorie Benjamin. Venez sur le podium. Venez les filles, venez, voilà, première, deuxième, troisième, les couleurs de quartier fou. Allez, venez prendre place, voilà, derrière votre place, marche respective. Voilà, sur la troisième marche du podium, l'ESCO 44, Juliette Gavou, troisième, bravo. Récompensé par Fabrice Roussel, maire de la Chapelle-sur-Erdre, belle médaille. Deuxième marche du podium, l'ESCO Angers, Eva Lopez, deuxième, qui a fait un super retour, les amis angevins, ouais.
en voisin et sur la plus haute marche du podium, les couleurs de Carquefou Athletic Club, Jeanne Chupin. Jeanne Chupin, vainqueur chez les Benjamins. Et on va récompenser avec des petits cadeaux également. Voilà, on va vous récompenser, mesdemoiselles, avec des lots, avec des cadeaux. Monsieur le maire, venez au milieu là, voilà, on a un petit espace pour la photo, voilà, de ce podium des Benjamins avant de retrouver la course des Benjamins. Jeanne Chupin, Eva Lopez, Juliette Gavou. Bravo, mesdemoiselles. Merci, mesdemoiselles. On va vous laisser vous réchauffer et puis on va passer sur la course des garçons. Départ dans moins de 2 minutes maintenant avec les Benjamins. Les Benjamins qui auront une distance d'un petit peu plus de 2 km. 2 km 550 et une grande boucle au programme. Alors, le Gabichaud, est-ce qu'on aura la recette cette année? Je sais pas. On va avoir ça. Salut. Le Gabichaud.